Bien, salut à tous, c'est le Picsou, j'espère que vous allez bien. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais bon, je vous en fais pas tout le temps en ce moment. Mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment une petite vidéo exceptionnelle pour vous montrer le nouveau perso gratuit du PlayStation Plus qui vient de sortir. Donc, hier il était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui pour le trouver, mais c'est vrai que maintenant on peut l'avoir de suite. Donc, regardez, je vous le montre car je viens de l'acquérir. Donc, un nouveau personnage, prodige, la fameuse calculatrice que pas mal de gens, je pense, attendaient. Et ben cette émote TBD que je comprends pas en fait, le délire c'est un smiley et au final c'est une part de pizza qui nous montre, donc je sais pas comment ça se fait. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Je te laisse à m'excuser parce que c'est vrai que c'est un petit moment que je fais pas de vidéo, mais il y a tellement de vidéos sur Fortnite. Voilà, j'ai pas intérêt à vous faire à chaque fois des vidéos qui sont déjà des centaines de vidéos, même au final de d'autres plus gros youtubeurs sur YouTube, donc voilà. Personnellement, ça sert à rien que je fasse des vidéos tous les jours. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu les personnages d'un peu plus près, tant qu'à y être. Donc, regardez le prodige. Il est. Bon, on va aller là directement, c'est plus rapide. Ok, il est là. Ça va faire vraiment penser au final le perso qui avait dans le pass de saison 3, là, l'espèce de méchant qu'on avait à la fin. Sauf que là, il est avec un pull en laine sans manche, avec des petites lunettes. Je crois qu'il est plutôt pas mal. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, cette fameuse calculette. Au final, c'est un sac à dos calculette et à chaque fois que vous allez faire un kill, ça va l'afficher derrière. Donc c'est pas mal pour les adversaires, même vos collègues, vous voyez le nombre de kills que vous avez. Je trouve que c'est sympa, pas mal de gens de la communauté, d'autres communautés sur les forums l'attendaient, d'avoir un sac justement où on voit les kills. Donc je trouve que c'est vraiment sympa qu'ils nous aient mis ça. Et ensuite, donc vous avez la fameuse émote TBD, que je sais pas pourquoi, c'est une part de pizza. Je comprends pas le délire, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ça si vous savez. C'est ça, je sais pas. Et en même temps, ce que je voulais vous montrer, c'est l'écumeuse nez rouge qui vient de refaire son apparition depuis l'année dernière. Pas mal de gens pensaient qu'elle allait pas revenir, mais bon, dans le trailer du nouveau pass, on pouvait le voir. Et celui-là, donc chasseur de nez rouge qui vient de sortir, lui prendre, c'est la première fois. Et il est un petit peu fané, j'ai envie de vous dire, il est pas super. Mais l'écumeuse de nez rouge est franchement stylée. Aussi, le sucre d'orge qui vient de refaire son apparition. Bon, il y a quelques jours, nous avait sorti des persos de Noël, hein, c'est pas vraiment les premiers. Mais bon, ceux-là, on les connaissait, on les attendait pas trop. Mais voilà, le sucre d'or, je pense que bientôt Petit Biscuit va faire son apparition. Et là, pour la toute première fois, il nous vend un camo sucre d'or justement. Je pense que ça va continuer de mettre des camouflages en vente sur dans la boutique. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, ça peut être sympa. Donc voilà, après, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Baïsanka et de Thomas car ils vous expliquent vraiment tout ce qu'il va y avoir de nouveau, les nouveaux modes temporaires qui vont changer tous les jours, la nouvelle map saison 1 qui va sortir, les nouveaux persos, enfin tout ça. N'hésitez pas à aller voir vos vidéos. Moi, ça sera tout pour cette vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde.